maximum power of this country against the shit ass little country to win the war. Henry, you don't have any idea. The only place where you and I disagree in the present time is in regard to the bombing. You're just not that concerned about the civilians, and I don't give a damn. I don't care. I'm concerned about the civilians because I don't want the world to be mobilized against you as a butcher. I still think we ought to take the dice off now. I think for that brown people we have found out about 200 people. Well, no. I'd rather use a nuclear bomb if you got that ready. That I think would just be too much. A nuclear bomb? No problem. I just want you to think big, Henry, for Christ's sake. Il faudrait que vous voyiez ce que j'ai filmé, mais là, c'est assez ressemblant. Des reptiles? Stupéfiant. Non. En réalité, ça ne l'est pas, car ça aurait pu arriver sur notre planète. Comment ça? Il y a plus de 60 millions d'années, c'était les reptiles qui étaient les maîtres de la Terre. Et boum, un météore énorme arrive, perce la croûte terrestre en faisant remonter la poussière et la chaleur. L'iridium. C'est ça, l'iridium. Il y avait de l'iridium dans ce météore. Il y a moins de lumière et plus de chaleur, comme dans une serre. La température augmentant, les reptiles, les plus énormes étant incapables de résister à la chaleur, au contraire des mammifères, disparaissent. Alors si je comprends bien, mon vieux, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'allumer les barbecues et pouf, tous ces reptiles se transformeront en grillades. Ah, c'est pas compliqué. Eh bien, ce ne serait pas aussi facile que ça, mais oui. La chaleur serait peut-être une arme efficace. Oui, mais pas le froid. Le visiteur qui m'a sauvé la vie supporte le froid sans aucun problème. En effet, leur constitution leur permet de résister au froid. La lumière pourrait être une arme. La façon de se nourrir que vous décriviez semble se rapprocher des connaissances biochimiques que nous avons sur les reptiles. C'est vrai. Ils ne mangent que ce qui est vivant ou ce qui vient d'être tué. Mm-hmm. Mais et ce poison qu'ils projettent? Eh bien, on voit assez souvent des reptiles vivant sur notre planète projeter leur venin. Oui, et d'après les symptômes que vous avez décrits, je dirais que ce venin est un neurotoxique. Il attaque le système nerveux, provoquant une altération du rythme cardiaque et des poumons.